Tu m'as craché les oreilles avec ça. Tu n'écoutais que ce morceau à Debo. Debo, vous avez débuté là-bas, vous aussi? Oui, c'est ça. Sacré paye, dites donc. Ouais, c'était le bon temps. Un fameux lycée. C'est vrai que c'était le bon temps à l'époque. Et tu ne m'as jamais dit pourquoi tu t'étais fait muter, d'ailleurs. Eh ben, si tu veux le savoir, j'en avais par-dessus la tête d'habiter avec toi. Oh. Ils ne rangeaient jamais rien. C'était une vraie pagaille. Ah, ça n'a pas changé. Oh, mais c'est interdit. Debo, une éternité. Ouais, je te renvoie encore tout minot. Tiens. Et dire que t'es marié et père de famille. N'avais pas d'enfant? Oh non, merci. Je vois bien assez de bâtards au lycée. Si t'es prof, c'est que tu les aimes, non? Elle est excellente. Pourquoi? T'es prof par amour, peut-être? Ah tiens, mon vieux, en parlant de souvenirs, je vais te faire écouter un truc. Ah non, je te vois venir. Oh. Merci, Ellie. T'es beaucoup plus calme que ton frère, on dirait. Et ce n'est pas difficile, pas vrai, Lee? Ouais, ça ne va pas être évident de prendre la relève de Simon. Vous avez encore rien vu? Oh, il manque pas de répartie, hein? C'est un gentil garçon. Bah, si c'est vous qui le dites. Écoute-moi ça! Oh non! Si, il ne voulait pas te vexer. Non, il a dit ça juste comme ça. Il a le droit de rigoler un peu. Ouais, c'est un vrai plouc, il est nul. Ton père et lui sont de vieux copains. Ouais. Je te remercie d'avoir débarrassé. Non, c'est rien. Simon t'aurait aidé, lui? Il est probable que non. Salut. Salut. Tu es matinale? Oui, j'arrivais pas à dormir. Moi non plus. Elles sont pour moi? Oui, oui. Merci. Alors, ça t'a plu hier soir? C'était génial. Ah, on s'est bien éclaté. Bonjour Ryan. Bonjour. Oh, elles sont magnifiques. Ouais. On a les mêmes d'ailleurs. Ah, au fait, il paraît que vous vous êtes bien amusé hier soir. Ah ouais, c'était super. Pardon. Attention. Vous avez passé la nuit dehors? Il y en a qu'on de la chance. Ça nous est déjà arrivé tous les deux, non? Ah oui, pas que je m'en souvienne. Oh, et ça devait être avec une autre. Oh! Réserve ta soirée de demain. Pourquoi? Réserve-la, c'est tout. D'accord. Alors, où est-ce qu'on va demain soir? Ah, c'est une surprise. Allez, dis-le-moi. Non. Sinon, je ne viens pas. Je te le dirai plus tard. Oh, s'il te plaît. Ok, on va à la soirée d'ouverture d'une nouvelle boîte. Une nouvelle boîte? Ouais, je vais me débrouiller pour avoir des entrées. Je connais des gens, ça devrait être cool. C'est quel genre de boîte? Dernier endroit branché, on va danser, ma belle. Je sens que ça va être super. Attention, danger. Tiens, en chaleur. Lâche-nous, Denis. Tiens, en chaleur. Nabo. T'es sûr qu'elle est bien, cette boîte? Ouais, tu vas adorer. Allez, viens. Hé, hey, Razik, viens voir. Approche, vite. Dégagez, les gars, allez, dégagez. Ça te branche des pièces détachées de bagnole, hein? Ah, je rentre pas dans ce genre de magouille. C'est pas des magouilles, promis, c'est un super plan. C'est du matos volé? Non, d'occasion, mec. Ah ouais? Ouais, mais si ça t'intéresse pas, moi non, je... Non, attends, je vais jeter un petit coup d'œil, attends. Vas-y, te gêne pas, fais ton choix.
Une housse de siège en fausse fourrure? Elle est comme neuve. Ouais, t'en veux combien? Je te la fais à 25$. Bah attends, c'est moins cher au plus, je te signale. Écoute, 20$ et avec ça, t'emportes la jante, d'accord? J'ai même pas de bagnole. Pour 15 alors? Nah, j'en veux pas. La prochaine fois. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Ce devoir est à rendre pour lundi prochain. Pas de retard et pas d'excuses, c'est compris? Oh, ah oui, monsieur! J'ai un tournoi de basket, j'aurai pas le temps de le faire. C'est le même tarif pour tout le monde, Denis. J'ai dit pas de retard et pas d'excuses. Oui, monsieur! Et puis tâche de faire mieux que la dernière fois. Vous allez être épaté. Je voudrais te dire un petit mot. Oui, monsieur. C'est nul. Zéro. Écoute, tu peux faire beaucoup mieux que ça. Des inepties pareilles, moi j'en veux pas, mon grand. Et voilà ce que j'en fais. Vraiment, tu me déçois, Ali. Tu m'avais pourtant habitué à faire davantage d'efforts. Vous devez confondre avec mon frère. C'est lui qui était doué en sciences. Oui, il était doué dans beaucoup de matières, comme ton père. Ouais. Tu n'as peut-être pas hérité de son talent, mais je sais que tu peux mieux faire. Et toi aussi, tu le sais. Alors, c'est quoi le problème? Aucune excuse, monsieur. Très bien, alors fais un effort. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Doucement, les gars. Du calme. Papa? Oui. On faisait des choses avant. On en fait toujours? Non, je parlais de faire un tour. Oui, on pourrait aller faire de la voile ce week-end. Ce week-end? Ouais, juste tous les deux, histoire de prendre l'air. Je croyais que tu avais du boulot. Grégory m'a dit que tu avais pris du retard. Allez, et là, calmez-vous, là, calmez-vous. Attends, ça suffit. Vas-y, là, vas-y. Ouais, c'est ça. Lâche-moi. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait à mon frère? De quoi tu parles? Il est bizarre. Il a changé, il est plus du tout comme avant. C'est-à-dire, il est tendre, plus réfléchi et attentionné. J'adore. Et c'est grâce à toi, tu sais. Merci. Alors, quoi de neuf? Il m'a invité à sortir dans une nouvelle boîte. C'est génial, et en plus, c'est un excellent danseur. Ouais, je l'aurais parié. Oh, attends, là, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que je ne sais pas danser. Bah alors, c'est des bêtises. Tout le monde sait danser. Non, je t'assure, je suis maladroite chaque fois que j'essaie. On dirait que j'ai des pattes d'éléphant ou je sais pas quoi. On ne te demande pas d'être une pro, enfin, tu sais, c'est juste pour... Anita, tu ne te rends pas compte, je te jure que j'en suis incapable. Dis-le lui alors, c'est pas grave, vous trouverez autre chose. Ouais. Mais il s'est donné tant de mal que... Écoute, il lui plaît, il se fiche que tu saches danser ou pas. Ça y est, deux entrées pour la soirée la plus délire de l'année, rien que pour toi et moi. C'est super, je suis drôlement contente, c'est chouette. Ça m'a coûté un max, je te dis pas. Je vous laisse, à plus tard. À bientôt. Un instant, j'ai une dernière petite chose. On nous demande d'envoyer un délégué à la conférence qui se tiendra à l'école sur le féminisme. Ah ouais, ouais. Ça n'existe pas, les conférences sur le masculinisme? Si, ça existe, Denis, et ça s'appelle le football. Mal, ouais. Et si je mets une robe rose, est-ce que j'ai le droit d'y aller? Alors, on va avoir du poil sous les bras et aussi... Ce n'est pas nécessaire, Ryan, rassurez-vous. Il faut avoir une moustache, mademoiselle. Très drôle, Denis. Avoir une, Denis, tu ne pourrais pas y aller. Ça t'obligera à tracer pour une fois. Eh bien, votre enthousiasme fait plaisir à voir. Et réfléchissez à la question et nous choisirons notre représentant à la fin de la semaine, d'accord? Enfin. Ouais, d'accord, ouais. On va y penser, ouais. Mademoiselle! Mademoiselle Barnett! Ah, Nikki?
J'aimerais bien être déléguée à la conférence. Je suis ravie que cela vous intéresse, mais pourquoi vous choisirais-je? Je suis la meilleure, voilà pourquoi. J'admire votre confiance, Nikki, mais il me faudra des arguments un peu plus convaincants. Eh ben, j'ai beaucoup milité en faveur du recyclage, oui, vous savez. Mais le recyclage n'a rien de féministe en soi. Mais j'ai milité pour les femmes oui, aussi. Oui, entre autres choses. Écoutez, j'ai vraiment très envie d'aller à la conférence. Eh bien, je tiendrai compte de votre demande, Nikki, d'accord? Je sais que je suis la personne idéale. Bien, je mettrai votre nom sur la liste. D'accord. Hé, fichez le camp d'ici. Bah quoi? On joue au ballon? Vous n'avez rien à faire dans le coin. Allez, du balai. Baignez. Du baignez. Et c'est une vraie bombe. Ça doit emballer sévère, hein. Quoi? Bah, qu'est-ce qu'il y a? C'est de la camelote. Quoi, je t'aurai un de ces jours. C'est pas solide, son engin, tu parles. Vas-y, gadgette. Hé, gadbat. Je n'en reviens pas, c'est insensé. C'est ça, les grandes villes. Si on n'est pas en sécurité sur le parking de l'école, où est-ce qu'on peut bien se garer? C'est la première fois que ça se produit. Parler d'une consolation? Non, il faut prendre des mesures et vite. Allons, inutile d'en faire un drame. Alors ça, c'est facile à dire. On voit bien que c'est pas votre bagnole qu'ils ont amochée. Oh, ne le prenez pas personnellement, monsieur Grégory. Je parie que si c'était arrivé à votre voiture, vous auriez poussé des hauts cris. C'est probable, mais que voulez-vous que nous fassions? Nous ignorons si c'est quelqu'un de l'école ou non. Évidemment que c'est quelqu'un de l'école, voyons. Vous êtes certain que ça s'est passé ici? Oui, parce que j'avais des rétroviseurs quand je suis arrivé ce matin. Et vous n'aurez qu'à en parler en réunion des professeurs. Non, ça prendrait des proportions inconsidérées. Inconsidérées? Non, mais vous rigolez, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Qu'il la désosse entièrement, peut-être? Nous n'en sommes pas encore là, ce n'est qu'un simple incident pour l'instant. Oui, ben, je vous signale qu'avec ce que je gagne, dépenser 200 dollars pour un rétro, c'est le genre d'incident dont je me serais bien passé. On ne va tout de même pas déranger la police pour un vol de rétroviseurs. Parfait. Faites fouiller les casiers alors, je parie qu'on le retrouvera en moins de deux. Non, monsieur Grégory, c'est hors de question. Vous avez une autre idée, peut-être? Je vais voir ce que je peux faire. Vous fatiguez pas, je sais déjà qui a fait le coup. Vous suggère d'éviter de tirer des conclusions hâtives. Et moi, je vous suggère de prendre les mesures qui s'imposent pour arrêter ça, et vite. Non, mais regarde-moi ça. Elle est hyper belle. Mais elle est pas représentative, c'est pas le but. Le but est de nous vendre des sous-vêtements. Mais c'est pas un bon modèle, ça fait croire aux filles qu'il faut être une ficelle pour être séduisante. Là, t'exagères. T'ouvres un magazine, tu regardes la télé et qu'est-ce que tu vois? Uniquement des mannequins, c'est vraiment révoltant ça. D'accord, alors dans ce cas, tu imagines une petite vieille toute fripée dans ce genre de sous-vêtements. T'aurais envie de les acheter, toi? Eh ben voilà, et après on s'étonne, mais qu'est-ce que t'as contre les vieilles fripées? J'ai rien contre, la question n'est pas là. Mais si. Ben dis donc. Canon, hein? Elle vous plaît? Ouais, c'est, disons, distinctif. On l'a vu, ouais, c'est ça, c'est sûr, pour être distinctif. Attends, y a pas la suite derrière? Ah, super classe, j'achète. Je savais pas que tu appréciais ce genre de choses, Kurt. Hein, qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste un corps humain. Exploité. Bon, exploité? N'empêche qu'elle est jolie. Et j'ai pas rêvé, là. Elle est quasiment à poil. Hein. Et puis rassure-toi, hein, elle est sûrement payée une fortune pour et faire ça. Et ça alors... payée pour vous faire baver d'envie, les on garçons. On bave pas d'envie, on admire son corps. Ah. Le corps féminin est une merveille. Vous fantasmez sur une chose qui n'existe pas en réalité. Ah non, elle a l'air bien réelle. Elle existe, elle est quelque part. Et tout ce qu'elle attend pour être heureuse, oui, c'est de me connaître. Non, non, c'est moi, je te dis. C'est non, ça, moi. Lamentable. Tu sais que pour comprendre les nanas, il faut s'accrocher. Tu l'as dit, Bouffi. Allez, on y va. Salut! Bye bye! On a touché à la voiture de Pat aujourd'hui. Où ça, à l'école? Oui, on lui a volé un rétro et bousillé un autre. Et qui c'est? Il pense que c'est un gamin. Oh, c'est embêtant, ça. Ah, c'est facile de soupçonner les élèves, et c'est un plouc de toute façon. Qu'est-ce que tu en sais? Il y a des chances pour qu'il ait raison. Pat et Barnett se sont accrochés, fallait voir. Ça m'étonne pas, elle est tellement rigide. C'est la première fois que je l'entends défendre les gamins. Hé, hey, Lee! Attrape ça! Il n'a pas le droit d'accuser les gens sans savoir. Très juste. S'il avait raison. Eh bien qu'il le prouve. Il nous prend pour une bande de petits voyous. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, au fait? T'as pas des devoirs à terminer? Allez, file. Je lui avais déjà demandé. Te laisse pas entortiller. Il a toujours des excuses pour pas bosser. Circuler.
désolé, ce parking n'est pas un terrain de jeu. Et si je vous reprends à traîner dans le coin, c'est 4 heures de colle. Qu'est-ce que tu fais ici, Dragic? Ben, je m'entraîne au tennis, hein, monsieur. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Allez, emmène tes copains joyeurs et du vent. Oh, oui, monsieur. Oh, Dragic, je t'aurai. Ouais, vas-y, champion. Qu'est-ce que tu veux, toi? Rien, je fais que passer. Mais c'est à croire que tout le monde donne rendez-vous ici, hein? Oh, Delaine. T'es au courant de cette histoire de bagnole? Je vois pas de quoi vous parlez, monsieur. Je conduis pas. C'est à ma mère qu'il faut le demander. Arrête. Joue pas au malin avec moi. Tu sais très bien de quoi je parle. Vous voulez parler du marché noir de pièces détachées? Je le savais. Où est-ce que ça se passe? C'est dans l'école? Peut-être bien. Et qui c'est qui l'organise? J'en sais rien. Allez, à d'autres. J'en sais rien. C'est Dragic, hein? Je n'en sais rien, monsieur. D'accord. Bon, alors, est-ce que tu peux te renseigner et me dire où et quand ce petit trafic a lieu? Oh, je garantis rien, mais je vais voir ce que je peux faire. D'accord, je te revaudrai ça, Ali. À une condition. Vous n'en parlez à personne. Même pas à mon père. Entendu, je t'ai gardé le secret sur mes indics. Allez, sauve-toi. Faut que j'y aille. T'es obligé. Ça m'ennuie, tu sais. Moi aussi. Et demain soir, on... Quoi? On sera les rois de la piste, toi et moi. Plus. Qu'il y a? Il t'a plaqué ou quoi? Non. Pourquoi? T'as l'air si triste alors. Il veut qu'on aille dans cette nouvelle boîte. Bah, c'est génial. Sauf que je ne sais pas danser. Tout le monde sait danser. Pourquoi vous dites tous la même chose? Parce que c'est la vérité. Oui, eh bien, je fais exception à la règle, figure-toi. Je danse comme un hippopotame. C'est toujours mieux que rien. Oh, arrête de se moquer de moi. Non, non, sérieusement. Je pourrais t'apprendre. Je te montrerai comment faire. Ah oui, tu sais dresser les animaux? Allez, une belle fille comme toi, ça sera pas dur, hein? Je vais te montrer la technique, tu vas voir comme c'est facile. Oh, j'y arriverai jamais. Mais si, tu y arriveras, sois pas timide, ma grande, il suffit d'essayer. Despo, je suis nulle, je n'y arriverai jamais. Si. Écoute, libère-toi un ou deux soirs et je te donnerai des cours, hein? Hop là! Ouais, tu ferais ça? Bien sûr, tu n'as qu'à faire confiance au maître de danse. Wouh! Allez! Entendu. Dennis, qu'est-ce que tu fais? C'est de la provocation? Non, c'est juste pour vous rappeler de porter une culotte. Oh, t'es pas croyable. Franchement immature. Ouais. Alors c'est pour nous que tu as accroché ça. Hein? C'est pour sortir l'œil, hein? Ah, tu me connais. Et on va tomber là-dessus à chaque fois qu'on va ranger nos cahiers. Je crois qu'on appelle ça du harcèlement. Sexiste, exactement. Ah, mais le sexe fait vendre. Sexiste ne veut pas dire sexe, imbécile. Non. Et vous savez pas ce que c'est, hein? Sainte-Nitouche. À ton avis, comment est-ce qu'il réagirait si on placardait des photos d'hommes nus sur nos casiers? Kurt se proposerait pour poser, je suis sûre. Il est pas trop mal foutu. Anita. Bon, ça suffit maintenant. Je vous avais prévenu que ce n'était pas un terrain de jeu. C'est 4 heures de colle. Ça va pas. La Parnie, rendez-vous en salle des profs immédiatement. Toi aussi, Gamon. Oh, y'en a marre, hein. Salut, Nikki. Salut. Oh, Anita. Ça te dit d'aller faire un jogging demain? Tu plaisantes? Non, pourquoi? Je peux pas. Bon, alors, après-demain? J'ai prévu autre chose et le jour suivant aussi. Ouais, je vois. C'est quoi le problème? La fameuse pub de sous-vêtements, ça te dit rien? Ne me dites pas qu'il l'a affichée. Encore un innocent. Dennis est un abruti et c'est pas une découverte. Entièrement d'accord. J'ai rien à voir là-dedans, Anita. Ben, tiens. Je suis toujours prêt à te défiler.
Oh non, mais viens, viens voir ça. J'ai monté la garde toute la matinée. Et ils ont réussi à me le piquer sous le nez. Et les sigles, ça se collectionne, tu sais. Si ça continue, je vais la retrouver sur des parpaings avec les quatre roues en moins. C'est un risque, ouais. Il y a quelques années, le vol, ça n'existait pas. Ah, tu crois? Mais ça ne paraît pas nouveau, pourtant. Et c'est pas étonnant, tu sais, c'est une question de discipline. Si on n'était pas aussi indulgent avec eux... Hé, toi, on court pas dans les escaliers. Où j'en étais? Ah oui, tiens, même si je le surprenais en flagrant délit, oui, en flagrant délit, je suis prêt à parier qu'on l'enverrait chez l'assistante sociale pour un problème d'ego. Arrête d'en faire une affaire personnelle, le vandalisme ne touche pas que toi, tu sais. Oh, je t'en prie, joue pas les psychologues, c'est pas le moment. D'après certains échos, il y aurait un marché noir, un réseau spécialisé dans les pièces détachées. C'est à ce point? Oui. Ne me dites pas que cela a recommencé. Oh, Grégory est sur une piste. Disons qu'il y a des rumeurs. Ah oui, lesquelles? Eh bien, allez-y, dites-moi tout ce que vous savez. Bon, écoutez, je n'ai pas encore de preuves formelles, mais... Vous savez ce que je pense des suppositions? J'aurai bientôt des preuves. Bien, alors jusque-là, c'est réglé. Waouh! Ce n'est pas un miracle. Ryan, ce soir, ce n'est pas possible. Pourquoi? Est-ce qu'on pourrait repousser d'un jour ou deux? Ça m'arrangerait. Mais l'ouverture, c'est ce soir. Oui, je sais, mais on pourrait y aller un autre jour. Mais ce sera plus l'ouverture, ça n'aura aucun intérêt. Mais j'ai plein de retard à rattraper ces temps-ci, c'est la folie. Mais c'est pas la mort, ça peut attendre. Tu sais, bah, et... Bang! Allez quoi, on va s'éclater, tu verras, ce sera super. Non. Pourquoi? Je te l'ai dit. J'aurais adoré y aller avec toi, tu sais. Tu veux y aller avec moi? Alors, je vois pas où est le problème. En plus, les entrées m'ont coûté un max. Je croyais que tu connaissais quelqu'un là-bas. Ouais, je connais quelqu'un, mais j'ai quand même dû payer les entrées. Oh. Non, je peux pas y aller, j'ai plein de travail. Je te donnerai un coup de main. Je passerai demain soir et on le fera ensemble, d'accord? Non. Ou demain matin. Non, je te promets, moi, ça me gêne pas. De toute manière, j'ai pas envie d'y aller. Enfin, je veux dire, je ne peux pas y aller. Tu vas étudier? Oui. C'est ça. D'accord. Bon, un séjour. Delaine. Entre. Tu as bien un petit indice. Ça vous dit quelque chose? Bah, c'est ma plaque, où est-ce que tu l'as eue? Je l'ai achetée. Petit salopard. C'est Drazik, hein? J'en sais rien, monsieur. Ouais, je sais, tu veux pas balancer. C'est ça, ouais. Écoute, je veux juste que tu me dises dans quel endroit et où est-ce que ça se passe. Je me charge du reste. Allez, réponds, ton frère n'aurait pas hésité, lui. Près de l'escalier pendant l'interclasse. T'es sûr? Oui, on trouve tout ce qu'on veut. Et on peut même commander ce qu'il n'y a pas. Excellent. Merci, mon grand. Monsieur, j'ai déboursé $25 pour cette plaque. $25, hein? Tiens. Merci. Merci. Et maintenant, on disparaît. Allez les enfants, c'est l'heure, on ferme. Oh non, Despo. Pas de protestation, tout le monde dehors. Une autre fois. Viens, une autre fois. On dit les enfants et soyez sages, hein. Ouais. Ciao. Mais qu'est-ce que tu fais? J'installe l'ambiance, l'atmosphère, ça met tout de suite dans le bain. Relax. Oh non, je crois pas que... Chou! Tu veux danser, oui ou non? Hein? Despo, je suis nulle. Mais non, voyons, tu vas y arriver. Allez, non. Viens. Je vais te montrer. Approche. Non, j'ai changé d'avis. Courage, c'est facile, tu vas voir. Je sais pas comment. Regarde.
marchez pas faire ça. Mais si, tu sais. Non. Bon, écoute, ferme les yeux, ferme les yeux. D'accord, suis-moi. Despo, je ne vois pas ce que tu fais. Oui, bon, bon. Ouvre les yeux. Et c'est celle-là. D'accord. Avec la tête et bouge les bras. Voilà, c'est ça. Ouais, comme ça. Ouais, bien, bien. C'est bon. Top. Bonsoir, madame. Je peux monter voir Sarah? Mais elle n'est pas à la maison. Ah. Tu devais la retrouver ici? Oui, elle a dit qu'elle allait étudier. Désolée. Vous savez où elle est? Elle ne m'a rien dit, non. Elle rentre à quelle heure? J'en sais rien, j'arrive à l'instant. D'accord. Bonjour, Ryan. Tu sais où est Sarah? Je crois qu'elle a parlé du shark pool. Ah oui, 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 c'est ça. Je suis direct, tu es passé. Oui, merci. Ouais, c'est bien. Comme ça? Ouais, continue. Et les bras? Ouais, balance. Je fais quoi après? Comme tu le sens. Improvise. Wouh! Dépêche-toi, Nikki. Ça y est, presque. Ça va être super. Oui, mais tu mets trop longtemps, allez! C'est bon, j'ai fini! Oh, trop tard, je t'avais dit de te grouiller! Qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que j'en dis? J'en dis que tu as poussé la plaisanterie un petit peu trop loin, Nikki. Oh, mais t'es pas complètement du tout, dingue! Tu te révèles comme ça, voyons! Je crois que tu vas avoir des pépins. Allez, donne-moi ça! Hé, mais c'est à moi! Arrête! Hey. Ça suffit! Tu me donnes une bombe de peinture! Ouais. Et laisse tomber ce genre de délire! T'as plus 10 ans, Nikki! Le rétro, c'était ce modèle? Ouais. Tu sais que tu as des pièces pour 4 voitures différentes, là. Oui, c'est ce que je voulais. Tu as 4 voitures? Et j'ai pas de voiture. Bien entendu. J'aurais dû m'en douter. Est-ce que vous pouvez me donner un reçu? Un reçu pour des pièces d'occasion? Si c'est pas un problème. C'est toi le patron. C'est moi que tu cherches? Oui, j'ai besoin de ton aide. Il fallait me le dire plus tôt au lieu de me suivre partout comme un petit chien. J'ai besoin de pognon. J'ai des trucs à vendre. Ah ouais, quel genre? Des pièces auto. Elles ont même pas été volées. Et après? Ben, comme tu traficotes un peu, tu connais sûrement des acheteurs. Et qu'est-ce qui me dit qu'elles sont pas volées? Tu crois que moi je serais capable de vendre des trucs volés? On l'a vu pire. Et je gagne quoi, moi? 20%. 50. 25. 50. 30. 50. Ça roule. Pourquoi moi? Ben, tu as plein de contacts. Ils achèteraient rien venant de ma part. Ouais, t'as raison. Bon, ben, salut. J'avoue que je suis très étonnée. Je n'aurais jamais imaginé que Kurt ferait une chose pareille. Il n'a rien d'un vandale. C'est pas toujours écrit sur la figure. J'ignorais que vous étiez féministe à ce point-là, Kurt. Je l'ignorais aussi. Je ne pensais pas que vous étiez du genre à aller barbouiller une affiche, surtout celle d'une femme nue. C'est vous, oui ou non? Je n'ai rien à dire, mademoiselle. Désolée, mademoiselle. Messieurs? En fait, on l'a pas vu à l'action. Mais la peinture était fraîche, et il avait la bombe à la main. Vous ne vous dénoncez pas à la place d'un autre? Non, mademoiselle. Parce que ce serait tout à fait stupide, n'est-ce pas, Kurt? Oui, mademoiselle. Est-ce qu'il y aura des poursuites? Pour cette fois, on se contentera de lui demander de nettoyer l'abribus. Vous y veillerez? Absolument. Je vous remercie, messieurs. Je suis désolée pour le dérangement. Oh, évitez que cela se reproduise. Cela ne se reproduira pas, n'est-ce pas, Kurt? Non, mademoiselle. Il se fera un plaisir de tout nettoyer, n'est-ce pas, Kurt? Oui, mademoiselle. Merci. Au revoir. Bon, ce n'était pas très intelligent, Kurt. Mais de vous à moi, je suis fière de vous. Allez, sauvez-vous.
À quoi tu joues, hein? On dirait qu'il y a de l'orage dans l'air ce matin. Espèce de salaud. On dit monsieur quand on est poli. Et qu'un sale traître. Mais de quoi tu parles? Je sais ce que j'ai vu, Despo. Et t'as vu quoi, Ryan? À toi de me le dire. Je crois que t'as vu une personne assez grande pour prendre ses responsabilités. Ouais, et elle est censée sortir avec moi. Les filles, ça change d'avis comme de chemise, c'est bien connu, non? Et alors, je suppose que tu n'y es pour rien. Mais j'essayais de lui apprendre à danser. C'est tout? Ouais, c'est ça, tu te fous de moi. Que tu me crois ou non, ça m'est égal. Mais avant d'inviter une fille à danser, demande-lui si elle sait danser. Ça boum? Fais aller. C'est de la cool douce, hein. C'est bon, on arrive. Waouh, Drazik. Tiens, j'ai amené ce que tu voulais. Fais voir. Ok, je te le prends. $50. Attends, tu rigoles? $20 max. C'est 35 ou rien? 30. 35 ou rien, j'ai dit. Ok, t'es dur, là. On a dit 35. Tiens. Merci beaucoup. On ne bouge plus, bande de vauriens! Vous ne vous en tirez pas comme ça, vous! Hé, lâchez-moi! Allez, c'est terminé! Enfin, vous êtes malade ou quoi? Allez, viens avec moi! Là, tu vas payer cette fois! Allez, on y... Ça craint pour lui sur ce Je voudrais pas être à sa place. Ouais, hein. Il a dégusté. J'ai rien trouvé dans le casier. Je vois pas du tout ce que j'ai fait de mal. Ah oui, je t'ai surpris avec un sac de pieds détachés et bien entendu, t'y es pour rien. Monsieur. Elles sont tombées du camion, peut-être. Du camion, hein? On s'en occupe. Qu'est-ce que t'as fait de mes rétroviseurs? Quel rétroviseur? Les rétros de ma voiture! Mais je sais même pas de quoi vous parlez, espèce de taré! Que se passe-t-il ici? Ah, je lui ai mis la main dessus en flagrant délit. Vous avez appelé la police sans ma permission. Vous vous rendez compte qu'ils étaient déjà ici ce matin? Et alors, où est le problème? Où est le problème, mes chers messieurs? Vous avez passé outre mon autorité, voilà le problème. Non, vous vouliez des preuves, alors je vous ai apporté des preuves. Allons régler ça dans mon bureau, suivez-moi s'il vous plaît. Vous aussi, Drazik. Oh là là, ça y est. Allez, dans le bureau. Bien pour lui. Très bien. Alors, essayons de tirer cette affaire au clair. Drazik, je te conseille de coopérer. Je vous l'ai déjà dit, je sais pas d'où elles viennent, ces pièces. Vous les avez volées, n'est-ce pas? Non. Oh, c'est la meilleure, je t'ai surpris la main dans le Merci sac. Merci infiniment, monsieur Grégory. Tu les as trouvées où? Allez ouvrir, s'il vous plaît. Oui. Oh, Lee, ce n'est pas le bon moment, repassez plus tard. C'est important, mademoiselle. On t'a dit plus tard. Il y a eu une petite erreur. Ça devrait vous intéresser. Qu'est-ce que c'est? C'est un reçu. Tu les avais achetés? Oui, j'avais demandé à Drazik de les revendre pour moi. J'avais besoin d'un peu d'argent de poche. Mais c'est n'importe quoi! Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Écoutez, veuillez nous laisser, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. C'est assez compliqué, alors n'y rajoutez pas votre grain de sel. Laissez-nous, je vous verrai tout à l'heure. Comme vous voudrez. D'accord. Alors, vous voulez bien reprendre votre explication? Avez-vous... Ouais, vas-y, frotte, frotte plus fort, vas-y. Qu'on lui voit les fesses tant qu'on y est, hein? Arrête, Denis, ça suffit. Je me sens assez ridicule comme ça. Chatouilleux, hein, hein? Ah, voilà les ennuis qui s'amènent. Quoi? Regarde. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'ai cop pour toi, si tu veux savoir. Kurt, tu vas pas effacer ça? Oh, alors c'était vous, hein, méchant. Et d'abord, quelqu'un a mis de nettoyer ce panneau. Je fais ce qu'on m'a demandé, Nikki. Comment t'as osé? Quoi? Oh, vous êtes pas gonflés, les nanas, votre genre. On t'a pas demandé de te dénoncer à notre place. Ouais, vous êtes tirés vite fait, ouais. Vous étiez moins fiers. Pas gentil sur les filles. Je pas que c'était par pur principe et plus qu'autre chose. Je tiens peut-être, mais personnellement, je la trouvais très belle telle qu'elle était. C'est normal, t'es un traître. Allez, viens, on se tire, viens. Vous êtes dégoûtant. Oh oui! Oh oui, n'est-ce pas? Allez au boulot, vas-y, frotte! Lee! Lee! Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais tu me le paieras très cher. Je ne vois pas de quoi vous parlez et vous sentez l'ail. Tu m'as tendu un piège, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mais réponds, bon sang! Pourquoi tu m'as fait ça? Et qu'est-ce qui se passe? Demande au petit crétin. Je t'interdis de lui parler sur ce ton. Oh, tu dirais pas ça si tu savais ce qu'il a fait. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu n'as qu'à demander à ton fils chéri. Oh, ouais. Despo. Ouais? Ryan m'ignore complètement. Je n'ai plus aucun intérêt. Il essaie de vaincre ta résistance. T'es plus coriace que les autres.
Il n'essaie rien du tout. Je le connais, Shepherds. Il abandonnera pas la partie. Oui, mais... Il est passé chez moi hier soir. J'étais pas là et je lui avais dit que j'étais à la bibliothèque. Ah, pourquoi tu lui as dit ça? Il fallait bien que j'invente quelque chose. J'ai l'impression d'être en plein cauchemar. Non seulement j'ai perdu Ryan, mais je ne sais toujours pas danser. Oh, tu t'en es bien sorti hier soir. Ça ne sert plus à rien si je n'ai personne avec qui danser. Ah, les gosses, les gosses. Écoute, je vais essayer de t'arranger le coup. C'est vrai? Demain soir, on organise une soirée. Ici? Et non, comment non, tu ne vas... cherche pas ni le pourquoi, ni le comment. Débrouille-toi pour le faire venir, et puis c'est tout. D'accord. Merci. Eh ouais, je suis trop gentil. Pourquoi tu as fait ça? C'est lui-même qui se l'est fait. Tu lui as tendu un piège. C'était pas très dur. C'est un copain à moi, Ali. C'est pour ça que tu l'as fait? Non. Pour m'atteindre? Non. Alors pourquoi? Tu as quelque chose contre lui? Il est nul. C'est pas une raison. Je voulais le prendre en défaut. Pour impressionner les autres? À toi de me le dire. Je t'en prie, Lee. Tu as plus d'imagination d'ordinaire. C'est la vérité, je prends toujours pour les autres. Ignore-les un point, c'est tout. T'es drôle, toi, ils me détestent. Non, ils attendent simplement de te connaître. Ils ont aucune envie de me connaître. Pourquoi tu as tendu un piège à Grégory? Je te l'ai déjà dit, papa. C'était pas une explication valable. Oh. Pourquoi j'ai l'impression que tu nous dis pas la vérité? Hein? On commence à avoir l'habitude avec toi. Calme-toi, tu sais, Anna. Depuis que t'es gosse, tu n'arrêtes pas de nous raconter des salades. C'est la vérité, je te dis. Ça t'est égal? T'es toujours du côté des autres, jamais du mien. Attends. Écoute-moi, Ali. Reviens, j'ai pas terminé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'évites? Pas spécialement. Attends, Ryan. Je suis désolée que tu aies raté cette soirée à cause de moi. Laisse-moi au moins me faire pardonner. Ah oui, et comment? Eh bien, accorde-moi une seconde chance. Écoute, viens ce soir au Shark Pool, d'accord? Pourquoi faire? Fais-moi confiance. Confiance? La dernière fois que je t'ai fait confiance, t'as dit que tu devais étudier. Je sais, je reconnais que je ne t'ai pas dit la vérité, mais j'avais une bonne raison, en fait. Et tu veux pas me dire laquelle? Écoute, retrouve-moi ce soir. S'il te plaît. Alors, t'as fini de nettoyer l'abribus? Non, pas tout à fait. Tu t'es rallié à notre cause? Non, des types sont venus changer d'affiche avant que j'ai fini. On a gagné alors! Carte. Merci d'avoir gardé le secret. T'étais inquiète, Anita, hein? Bonjour tout oui, le monde. Un peu. J'ai une nouvelle à vous annoncer avant que nous commencions. Un grand nombre d'entre vous ont exprimé le désir de représenter notre collège à la conférence sur le féminisme. La décision a été difficile à prendre, mais j'ai décidé que notre représentant serait... Attention... Kurt Pedersen. Oh, joli coup, mec. T'en as de la chance. Alors... Tu m'emmènes avec toi, j'espère, hein? Espèce d'ordure! Pourquoi t'as fait ça, hein? Parce qu'il te déteste autant que moi! J'aurais pu avoir de sérieux problèmes. Mais t'en as pas eu? Je t'ai sauvé la mise, non? Jamais je t'aurais laissé trinquer à ma place. Tu recommences jamais ça. Alors, Grégory est capoute? Carpe diem. Chouette. Sur ce coup, t'as pas trop mal assuré. Mais t'es trop jeune, t'es pas encore un Jedi. Tu sais, je suis vraiment désolé. Ah, laisse tomber. J'aurais pas pu travailler avec Barnett. J'aime pas ce genre de femme. J'ai cru remarquer. Oui. Ouais. Et puis tu sais, ça aurait pu être pire. Elle aurait pu me suspendre. Une mutation, c'est rien à côté. Alors, elle est pas si méchante. Bon, d'accord, c'est une peau de vache. Je regrette que mon fils t'ait fait ce coup. Ah, c'est pas grave, Nat. Toi et moi, on en a vu d'autres, pas vrai, on survivra. C'est vraiment pas ce qui lui a pris. Je sais pas, je devais lui taper sur le système. Je trouve pas que ce soit une raison suffisante. Oui. Si ça peut te rassurer, je crois pas que c'était dirigé contre moi. Je crois simplement que j'étais sur la ligne de feu, et puis voilà. Et c'est toi qui me disais de ne pas jouer les psychologues?
En tout cas, surveille-le de près. À mon avis, c'est un canard boiteux. Rien à voir avec son frère. Salut. Allez, prends soin de toi, vieux. Résultat, à cause de tes idioties, mon copain se fait muter dans un autre collège. Je t'ai dit que j'étais désolé. C'est trop tard, mon grand. Je ne peux plus te faire confiance. Ça peut plus continuer comme ça, Ali. Je ne sais pas quel est ton problème, mais si c'est le fait qu'on soit dans la même école, la solution est simple. Non, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la solution la plus raisonnable. Il existe plusieurs écoles dans le quartier. Tu n'auras qu'à choisir celle qui te plaît. Ah, génial, merci. Arrête d'être insolent, tu me fatigues. Mais vous ne comprenez rien du tout. Si tu nous expliquais, on comprendrait peut-être. Au lieu de faire des commentaires facétieux, tu ferais mieux de nous dire ce qu'il y a. Et quand je le fais, vous écoutez rien. Mais enfin, on n'a jamais eu ce genre de problème avec Simon. On était dans la même école aussi. Si tu t'entendais, tu comprendrais. Je te donne jusqu'à demain pour prendre une décision.